Voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le secret magique en tuto de comment réaliser ceci. Toutes ces photos, hyper réalistes, sur de la toile, les amis. Regardez le détail, la précision, les effets. On va vous montrer comment réaliser ces belles gravures sur toile comme celle-ci. Voilà. Voilà. Bien sûr, tout, 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 tout vient à la base du logiciel et du traitement des photos. Voilà. C'est une base... Et puis bon les paramètres de votre machine laser, on soit bien d'accord. La première chose, la plus importante, c'est bien sûr d'avoir la matière. Vous allez chercher un canevas, une toile, un tableau en toile. Il vous faut une toile, bien sûr. Vous la déballez. La base, le petit secret que moi j'ai, c'est tout simple. C'est prendre une peinture blanche mat que je mets quand même sur la toile. Voilà. J'applique sur cette toile deux couches. De euh, blanc mat, je laisse sécher. Préférence je prends un sèche cheveux, je, je sèche euh, approximativement et ensuite je prends du noir mat. Voilà que vous pouvez trouver dans tous les magasins de bricolage. Que ce soit chez Action. moi j'utilise euh, celle de chez Action parce qu'elle va super bien. Vous voyez les résultats sur les tableaux, ça va super bien. Euh, je grave tel quel. Une heure après séchage, je grave, je me mets dans la machine, je lance la gravure, et après je mets soit un vernis mat ou soit un vernis brillant, tout dépend à de la demande du client. Maintenant, deux couches de blanc sur votre toile, bien les laisser sécher, une couche de noir. Et vous arriverez à faire ce résultat là de qualité sur n'importe quelle toile. Voilà. Oui, je, on voit bien. Maintenant, désolé pour le frais lumière, là on voit mieux. Ça, c'est fait avec l'année G4 Max et le E80. Vous allez me dire, le E80 est un 20 watts. Oui, d'accord. Vous pouvez exactement faire la même chose sur un 5 watts, un 10 watts, un 15 watts, un 20 watts. Il suffit de régler dans l'iBurn la, e la puissance de votre laser. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir comment régler votre focus et régler la puissance de votre laser. Et éventuellement, pour ceux qui ont la 4 Max, euh, le réglage du Z. Donc, voilà. Je vous ai montré euh, les capacités euh, de traitement euh, et photo, les résultats finaux. Donc maintenant, je vais vous passer en direct comment régler vos images photos avant de les mettre dans votre machine et liburn pour pouvoir la graver. On va voir ça tout ça en images et euh, avec toutes les explications. Je vais utiliser euh, Photoshop. Une chose très importante, utiliser un bon logiciel de correction d'image ou pour faire vos montages. J'utilise Photoshop, j'utilise ImageR et j'utilise Lightburn. Tout vient dans votre œil. C'est important parce qu'il y a des personnes euh, qui préfèrent euh, avoir une image plus claire, une image plus sombre. Tout dépend de ce que vous voulez comme résultat. Tout ça, ça vient dans les paramètres. Euh, vous réglez d'abord votre image, vous la corrigez, vous la traitez dans Photoshop, vous l'exportez, vous la mettez dans Imagère, on la retraite encore dans Imagère, et après on va la traiter, euh, que je vais vous montrer tout en image en vous expliquant comment la traiter avec l'iBurn pour l'envoyer sur votre machine. A tout à l'heure les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner, aujourd'hui c'est exceptionnel parce que je vous dévoile le truc et astuce que tout le monde me demande depuis six mois. Donc là, aujourd'hui, je travaille sans filet. Je vous dis tout, tout, tout mes secrets pour avoir ce résultat là. Là. C'est le résultat qui me fait connaître. C'est la précision, la qualité des images et la qualité du rendu. À tout à l'heure, les amis. On voit ça en direct, avec les captures d'écran, comment je travaille des images avec les logiciels Photoshop, Imagère, et puis le dernier logiciel pour envoyer dans l'imprimante, l'iBurn. Alors, une autre chose très importante, c'est de savoir votre laser, son point de focus, à combien il est. S'il est à 0,3, 0,1, 0,2, 0,5, 0,10. Et euh, également, euh, vous pouvez aller jusqu'à 0,20 normalement et 0,0.2. Donc c'est une chose très importante de savoir les, 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 les caractéristiques de votre laser. Parce que avec l'iBurn, euh, avec la caractéristique de votre laser, s'il est en 001 ou en 0.1, vous allez télécharger ce petit tableau. Voilà. Ce petit tableau, c'est une aide très importante. Parce que quand vous travaillez avec Imagère vous pouvez modifier les DPI. Et quand vous travaillez avec Photoshop, vous devez mettre les DPI adéquates à la puissance de votre laser et au focus de votre laser et à la précision de votre laser. Donc si par exemple votre laser fait du euh, euh, 0.10, là, 0.10, on voit bien, il marque qu'on peut aller jusqu'à 254 DPI. Bon, moi mes lasers, je peux aller jusqu'à euh, 318 DPI. On est dans une norme tout à fait classique de tous les lasers. Donc quand vous travaillez votre image dans ImageR, regardez bien les DPI ainsi que dans Photoshop. Donc nous voilà sur le logiciel de Photoshop. Nous allons commencer par ouvrir un nouveau fichier. Vous ouvrez un nouveau fichier. Généralement, vous ouvrez un fichier de la taille, de la grandeur du tableau que vous voulez euh, graver dessus. Moi, je vais graver sur une toile de 40 de large sur 30 de hauteur en format paysage. Donc, je mets format paysage. Je mets 40 cm de largeur, comme vous voyez ici. 30 cm de hauteur. Je laisse la résolution comme elle est. Je fais créer un nouveau fichier. Je me crée un nouveau fichier. Je déverrouille ce fichier. Et puis je fais OK. J'importe, j'ouvre un autre fichier qui est la photo désirée, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons faire la photo de Johnny Hallyday, car c'est une demande d'un de mes amis. Donc je vais dans Fichier, je fais ouvrir. Je vais chercher sur mon bureau, bien sûr. Voilà, euh, Johnny Hallyday. Voilà, la photo. La photo, elle est en 1198 x 824. Je l'ouvre sans problème. Ouvrir. La photo est ouverte. J'enlève le calna. Et là, je me permets de faire toutes les corrections possibles et nécessaires que j'aime voir pour le résultat de ma photo tout d'abord je fais euh, dans image réglages bien sûr pour graver une photo sur une toile généralement les fait en noir et blanc donc je mets directement ma photo de johnny en noir et blanc même si elle est déjà en noir et blanc je fais automatique ça va recorriger les, la couleur de la photo. Des fois, ça ne le corrige pas parce que la photo est d'une qualité exceptionnelle. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Après, je retourne sur Image. Je fais Contraste automatique. Il a recontrasté ma photo. Ensuite, je retourne une troisième fois sur Image. Je fais Réglage, Luminosité, Contraste. Je fais « Automatique » et vous voyez, tout a bougé. Maintenant, moi, quand je grave une photo sur une toile, vu que mon laser est très puissant, c'est le E80, c'est un 20 watts de chez Neige. Sur la Neige 4 Max, euh, la puissance maximum que je peux mettre sur une toile, pour ne pas qu'il brûle la toile, c'est 20%. Donc, ce qui fait que je dois assombrir légèrement ma photo et lui donner une netteté beaucoup plus précise. Donc ce que je fais, j'assombris la luminosité. Voilà. Ça, c'est à votre guise. C'est vous qui devez voir plus ou moins ce que vous aimez sur vos photos. C'est un travail que vous devez faire vous-même et aimer votre photo. Là, c'est trop clair. Donc là, je rediminue la luminosité, le contraste encore un peu, parce que j'aime bien que ça soit bien foncé ainsi vous pouvez voir les bijoux ressortent vraiment bien le relief ici que vous voyez des lumières les reflets ressortent son front ressort ensuite je reviens sur image je refais réglage courbe exposition Teinte, saturation. Voilà. Et je vérifie la luminosité. Vous voyez, là, je peux encore assombrir aussi. Ça, c'est trop sombre. C'est à vous, avec votre oeil et connaissant votre machine, à savoir le résultat que vous voulez. Donc là, moi, je trouve que c'est très, très, très bien. Je fais OK. Une fois que j'ai fait ceci, je prends ma photo et je la dépose sur mon tout premier calque. Je vous explique pourquoi. Parce que le tout premier calque que vous voyez là blanc a la dimension de mon cadre, ce qui va me permettre de recadrer ma photo directement dans Photoshop, ce qui m'évitera de faire des découpages et euh, de modifier la photo avec Imagère. Voilà, je fais CTRL-T, et là je resélectionne mon image et je l'agrandis. De la taille de mon image. Voilà. Vous voyez Là, ceci, là, j'ai un blanc. Ce que je fais, moi, j'agrandis la photo pour ne plus rien avoir. Et puis, je recadre comme il faut. Voilà. Voilà, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Une fois que c'est fait, Voyez le résultat. Là, j'ai ma photo qui est prête à être gravée sur une toile. Mais avant ça, je vais la repasser dans le logiciel de ImageR. Je vais vous montrer quelques autres petites astuces. Donc, vous faites fichier, enregistrer, non, exporter. Excusez-moi. Moi, je les exporte à chaque fois en PNG. Mon bureau. De Johnny. Voilà. Modif Photo Shop J. H. Fait enregistrer, toujours en format PNG. Enregistrer. Bien sûr, maintenant la photo. Vous faites des modifications de luminosité, de contraste, de flou, de correction avec Photoshop par rapport à la photo et le résultat que vous voulez. Chacun a un œil différent, chacun voit les choses différemment. Donc c'est très important de travailler par rapport à sa vision à soi et par rapport à la demande du client. C'est de faire... Un 50-50 par rapport à ce que votre client demande et pour avoir une qualité et un résultat magnifique. On se retrouve dans deux minutes avec Image Air. Voilà, les amis, on se retrouve sur Image Air. Un logiciel de correction de photos pour justement pouvoir graver avec les lasers qui est un logiciel qui fonctionne exceptionnellement bien à savoir que ce logiciel est disponible en ligne où vous n'aviez pas toutes les fonctions que si vous prenez la licence qui fonctionne en hors ligne voilà une fois que nous y sommes on va télécharger notre photo de Johnny précédemment qui était là tout à l'heure, qui est sur le bureau. On réouvre le dossier. Voilà, Johnny Modif. On le réouvre. Là, vous voyez déjà une différence entre la photo principale et la photo après. Il y a déjà une petite différence. Et si vous regardez bien... Vous allez dans Redimensionner, vous mettez Millimètre. Elle est déjà dans le format de la toile dans laquelle je vais graver et elle est à 300 dpi. Mon laser peut aller jusqu'à 318 dpi, comme vous avez pu le voir sur le tableau précédemment que je vous ai montré. Donc je peux me permettre de la modifier et de mettre 318 dpi. Je vais mettre 318 DPI. Voilà. Je fais sauvegarder. Pour vérifier. Vous voyez. Je revérifie si mes dimensions, rien n'a bougé. On est bien à 400 par 300 en 318 DPI. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est encore modifier votre photo. Vous pouvez y ajouter des masques flous. Ajustement automatique si vous préférez. Euh, débruité, Comique. C'est des fonctionnalités. Netteté automatique. Correction de couleur. Netteté automatique 2. Retirer des matériaux. C'est des applications qui sont déjà préprogrammées dans le logiciel qui vous permet de, de faire euh, beaucoup de travail à votre place. Il y a juste quelques petits paramètres à changer, des petits réglages et tout ça. Moi, ce que je fais, je rejoue toujours sur la luminosité, comme je vous avais montré dans Photoshop, qu'on peut faire également ici. Vous voyez, on va la mettre plus claire. Elle est plus claire. Donc, comme moi, j'avais déjà travaillé dans mon Photoshop, je la retravaille, je la mets en 15. Et là, je la rediminue un tout petit peu moins 10 ouais ainsi j'ai un beau détail des mains des bijoux le t-shirt qui est un peu plus clair ce qui est pas mal et si vous pouvez chipoter changer les gamins vous allez voir une différence voyez là elle est beaucoup trop sombre Là, je trouve que c'est pas mal du tout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir les mat matériels que vous allez utiliser. Moi, généralement, j'utilise Banning. Et alors pour graver sur l'étoile, comme vous avez pu le voir avant, dans le début de la vidéo, je vous ai expliqué l'astuce de mettre deux couches de bombe de blanc et une couche de bombe de noir. Bien laisser sécher. Et euh, après une heure, peut-être graver votre toile. À ce moment-là, pour la graver sur une toile, la meilleure technique que moi j'ai trouvée, c'est de le mettre en carrelage blanc, peint en noir, en banning. Et vous allez voir, il va travailler votre image directement. Je fais appliquer. Et là votre image vous dites oui mais qu'est-ce qui se passe mais quand vous regardez vous avez tous les pixels vous voyez vous faites un avant-première là vous allez voir votre image le résultat que ça va plus ou moins donner sur votre toile vous voyez moi je n'aime pas trop parce qu'il y a trop de pixelisation donc je fais annuler alors qu'est-ce que je fais je change je vais dans Marsin je fais la même chose. Je fais appliquer et vous allez voir que le résultat est totalement différent. C'est un peu plus long, mais le résultat est super. Il y a d'autres techniques et d'autres styles que vous pouvez tester vous-même. Mais moi c'est mon astuce, vous allez voir le résultat final, vous allez voir l'étoile que j'ai déjà fait. J'ai toujours utilisé ces paramètres là. Le tout c'est d'avoir des bons réglages. Normalement ça doit bientôt être prêt. Vous avez vu comme l'image elle a changé Alors, vous regardez. La netteté des pixels sont beaucoup plus précises. Alors je fais un avant-première et je, vous allez voir que l'image a complètement changé. voyez, il y a déjà une amélioration flagrante quand on l'allonge. Avant, il y avait une fonction où on pouvait zoomer. Là, maintenant, cette fonction ne fonctionne plus. Donc, j'ai fait euh, annuler. Donc, l'avant-première. Et dans matériel, vous avez d'autres fonctions. Vous avez Sketch, vous avez Nero, vous avez Cassia, vous avez Skeldon, vous avez mais... Quand vous faites une toile toujours sur carrelage blanc peint en noir. Moi j'utilise toujours cette formule là dans les trois quarts du temps quand je fais mes toiles parce que j'ai fait un travail en amont avec Photoshop. Une fois que vous avez votre image et que vous avez bien mis les dimensions et vos DPI, vous la sauvegardez en format imagère. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons faire des miracles. Et nous allons voir ça en images accélérées. Vous allez pouvoir assister à la gravure complète, ainsi que le résultat final, qui est très, très, très sympathique. Donc voilà. Je fais un aperçu. Voilà, ça, ça me convient. Je fais annuler et je fais sauvegarder. Je vais dans mon bureau, dans le fichier que j'ai créé, photo Johnny. Et vous voyez ici, modifier photo Johnny, il vous met la, la description exactement. Marsin White. Talt Pen Black 318. Et moi, il faut les enregistrer en PNG. Voilà. Vous les mettez en PNG. Vous sauvegardez. Image enregistrée. OK. Et puis nous allons voir d'importer la photo qu'on vient de travailler dans Imagère dans l'Iburn. On se retrouve dans quelques minutes. Nous voilà dans le logiciel final pour pouvoir graver votre image et votre photo sur votre toile. Voici Layburn, c'est un logiciel qui est payant qui fonctionne très, très, très bien avec quasiment toutes les machines laser. Oui, vous allez me dire, c'est encore un logiciel qu'on paye. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, des fois, vaut mieux payer un bon logiciel et être tranquille pour travailler avec toutes les machines possibles et toutes les fonctionnalités possibles qui est très, 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 très facile d'utilisation. Donc voilà. Je vous mettrai le lien pour le télécharger également et éventuellement acheter votre licence. Voilà, nous allons importer notre image qui est dans un fichier sur notre bureau que nous allons ouvrir. Vous voyez, ça c'est le fichier que vous avez enregistré tout à l'heure avec Imagère. Vous l'ouvrez, vous l'importez, et voilà les dimensions qu'on avait fait, le travail qu'on avait fait avant avec Imagère et Photoshop, vous le retrouvez ici. Les dimensions sont correctes, elles sont là. La photo, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est comme ça. Vous allez faire un aperçu. Aperçu. Et voilà comment votre photo va être gravée. N'oubliez surtout pas que tout ce qui est noir, c'est ce que votre laser va retirer. Alors si vous agrandissez, vous allez voir les ombrages, les détails. Ça, c'est ce que le laser va laisser pour faire les effets de bague. Donc ça vous savez faire un aperçu. Maintenant, une chose très simple pour utiliser l'iBurn. Quand vous connaissez les paramètres exacts de votre machine et de votre laser, que vous ayez fait plusieurs tests comme dans les vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, que vous pourrez retourner voir. Comment régler votre focus, comment régler votre aquesik et comment euh, trouver les bons réglages pour euh, graver sur du bois, de la toile, euh, du carrelage et plein d'autres euh, astuces. Toujours faire la grille de test sur toutes les matières que vous comptez utiliser. Très important, ainsi vous avez le résultat plus ou moins correct. Donc voilà, une fois que vous avez votre image, vous allez dans votre calque. Alors n'ayez pas peur quand vous voyez Relais. Imagère vous met vos photos en relais tout le temps. Une fois que vous les avez travaillées avec Imagère, vos images sont travaillées tout le temps en relais. Ça, c'est super important. Et vous laissez Relais cocher. Comme ça, votre image, elle est prise en charge par rapport aux paramètres de Imagère. Et votre laser fera tout le travail nécessaire. Bon, moi, je grave. Avec ma Neige 4 Max à 17 000 de vitesse et du 20% comme je vous ai expliqué. Car si je mets plus haut que du 20%, mon laser brûle ma toile. Et ça, je ne peux pas le faire. Donc je la je, je grave toujours à du 20%. Donc voilà ma petite astuce. Une fois que c'est fait. Vous avez tous vos paramètres. Vous regardez votre cal. Le cal, bien sûr, vous réglez par rapport à la vitesse de votre machine et le pourcentage euh, de votre laser euh, qui vous convient le mieux. C'est des tests à faire. N'oubliez pas, allez voir les vidéos précédentes. Une fois que c'est fait, vous démarrez et votre gravure part en fonction. Donc, on se retrouve tout de suite pour un petit timelapse.